Hey, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Alien Isolation. Oui, bon bah il est dans les conduits, j'ai fait une sauvegarde un peu chaud. Je vous l'accorde. La sauvegarde était un peu tendue. Mais YOLO. Ah ok, j'ai mis l'espèce de dispositif dans le bidule. Je sais même pas trop ce que je fais pour tout vous avouer. Ça m'a un peu échappé, hein. Faut dire qu'en étant poursuivi par un méga alien, on prend pas méga le temps de comprendre ce que... on doit faire et tout. Oui, 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 merci. Power level 3. Spock. Je suppose que j'ai fait ce qu'il fallait. C'est bien ça que je dois faire, hein. Amorcer les procédures d'évacuation de la maison médicale. Je suppose que oui. Je peux se mettre là. Il y a eu un bruit dramatique là. Oh punaise! Mince, il y a un méga robot et tout. Oh punaise, il est là-bas, il est là-bas, il est là-bas. Samuel, vous pouvez m'aider? Oups, ne dites pas qu'il m'a vu. Attendez, je dois aller où maintenant? C'est toujours là? Il aurait des blessés, mais qu'est-ce que dénicher? Mais pourquoi? Quel est l'objectif? Je suis fiable, c'est ça qu'il dit. Putain, me dites pas que l'alien va arriver de nulle part en plus. Genre quoi, comme par hasard. Vas-y, dégouline ta bave ailleurs, s'il te plaît. Je sais même pas où est passé le gars. C'est censé avoir ouvert une porte ou quelque chose de similaire. Faut que j'appuie par là. Ah, attendez, comment... j'ai un... une mine. Ça me semble très bien, ça, non? On va se dépêcher, je suppose que c'est ça. Je sais pas combien de temps ça dure, mais... Il s'allume. Ouais, il m'a repéré. De toute façon, il est trop lent. On va juste s'assurer qu'il n'y ait pas de bave. Je sais pas, je dois dégueuler, oui. Bon sang, c'est où ça? Fuir par la réception du centre médical. Je n'y crois pas un seul instant. Ah, bah c'est peut-être ça. Non, c'est fermé. Je ne sais pas du tout. Non, mais la blague, quoi. Non, mais attendez, il n'y a même pas eu le bruit. J'ai même pas vu la baffe couler, quoi. Extraordinaire. Mais il faut que je recommence tout, quoi. La première fois, il était allé par là, donc je suppose qu'il va faire pareil, non? Attention. Les aliens, ils peuvent pas le bouffer, là. Oui, on m'a dit que l'alien, pour se reproduire, il devait nous tuer. C'est pour ça que... c'est pour ça que tout ça, c'est pour ça qu'il tue des gens. Dépêche-toi!
pas vu. Je peux sauvegarder là. Je suis un fou quoi. La sauvegarde de malade. Pas repéré. Pas vu, pas pris. Je sais pas donc pas par où je dois sortir en fait. Zioup. Trop facile. C'est marrant, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu l'alien quand même. D'habitude, il est toujours dans mes pattes. Et là... Oh la vache quoi. Ah mais en fait je crois que je suis un méga demi-tour là. Je suis trop débile. C'est par là que je suis venu. Qu'êtes-vous? Ces gens ils se voient. On entend la conversation entre le... envoi du rapport à Apollo. Ça marque là-bas. Légèrement en train de l'entendre, l'alien. Oh la vache, quoi! Genre, il était on ne peut plus devant. Puis il va dans la direction où je veux aller. Je peux même pas me foutre en dessous de trucs ou quoi. Ça lui dirait d'aller plus loin, bordel. Je sais pas où il est passé. Punaise, mais il va pas me laisser. Il allait hyper loin. Non, il est là. Mais monsieur... il est sur mon chemin, quoi. Je fais comment? J'ai trouvé un petit coin. Ah, c'est là que j'ai trouvé le truc... je dois aller par là. Bon, on m'a dit qu'il fallait que je fasse beaucoup plus de choses accroupies. Même mon radar il change de direction toutes les deux secondes quoi. Ah, celui-là, le voilà. Attendez. Puis on n'entend rien avec tout ça, quoi. Je dois aller où, là? Oui, moi je fais ma technique de... qu'on m'a dit qu'il faut que je fasse beaucoup de choses accroupies. Oh punaise. Oh la vache, il vient d'arriver quoi.
Ouais, il est juste là. Eh, monsieur, il est bloqué, il bouge plus. Punaise, quoi. Donc là, je dois aller tout droit. Ouais, c'est par là. Oh là là. J'ai tellement pas envie de sortir de là. Vas-y, tout prêt, il est tout prêt. Ouais, il vient de sortir de là, juste. Voilà, on voit le bout de sa queue. On voit sa queue qui traîne par terre, c'est génial. Putain, ça me perce les tympans, cette alarme. Vous n'allez pas me dire que là, il entend le bip de mon détecteur, même moi, je l'entends pas. Oh, punaise. Oh. Ouh la vache! Bon, je ne suis pas là. Je peux pas retenir ma respiration, ça sort le taser. Passé où? Punaise, mais monsieur, laissez-moi un peu tranquille. Punaise, punaise, mais c'est tellement risqué ce que je fais. Mais il est où? Pas vu. Mais il bouge pas! Oui, je prends un risque incommensurable, je sais. Eh, il passe pas en dessous! Nope, 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 nope. Le truc il est transparent quoi, c'est génial. En plus je dois aller là je crois. Qu'est-ce qui se passe? Oh, il y a une animation, il y a une animation. Hein? Quoi? Ah, ça l'a fait se barrer. Oh la vache quoi. Échappez-vous. Attendez, je... Ça marche pas. Échappez-vous, je veux bien. Par là, il y a des trucs à ramasser. Moi, je sais pas, je cours. J'ai l'impression que le jeu m'a explosé. Je vois un peu trouble. Hein. Mon perso a été un peu mouru dans l'opération. Je vois même pas venir par là. Il y a tout qui s'effondre. Sans, mais s'échapper par où? Non, c'est la seule porte ouverte. Celle-là. Échappez-vous. Ah oui, bah point d'intérêt. Il y a un point d'intérêt ici. Ah, c'est ça. Ah, c'est juste un vieux truc. Qu'est-ce qui se passe? Je suis morte. Je suis morte de quoi? J'étais en temps limité? C'est une blague? Me dites pas que je recommence tout depuis le début.
Monsieur, dites-moi qu'il y a eu un checkpoint quand ça a explosé. La blague monumentale! Ok, je suis revenu là. Oh punaise! Donc ce serait cool. Ouais, à mon avis, j'ai de la dégaine là et. Échappez-vous. Oui, mais regardez, on me dit. Je sais pas, je comprends pas où est-ce qu'on me dit d'aller. Je suis en train de mourir à petit feu. Voilà, déjà, ça va me donner un peu plus de temps pour voir où je dois aller. Je comprends pas pourquoi ce radar m'indique le milieu du feu, quoi. Oh, punaise! Attendez, il y a une échelle! Waouh, quoi! Oui, bien sûr, pourquoi je serais pas eux? Punaise, il fallait regarder en l'air, quoi. Tous deux... Ok. Fallait regarder en l'air, oh là là, j'hallucine quoi. Monte! Ça va, ça va! Mais je suis un peu haut. Faut que je monte dans le conduit là? Truc de fou! Sauter! Bon. Ouais. Lumière, merci. Si on se tape l'alien dans ce conduit, je deviens fou. Tout va bien. Tout va bien. On a failli mourir à cause de l'alien, mais c'est vrai. On a survécu. Un coup de chance, il y a tout qui a explosé. Genre, lui, il est parti, mais il m'a laissé sur place. Quelle bonté. Quelle clémence. C'est génial. Oui, il descend. Je sais pas où, mais... Ah, je peux pas sortir mon détecteur, ici, dis donc. Par contre, je peux arrêter ma... C'est quoi la taille de ce conduit? Ah, mais je reviens en arrière, c'est ça? On va ressortir près de Taylor, tout ça. Attendez, parce que du coup, je me dis qu'on pourrait peut-être, clic gauche, oui. Je vais un peu fabriquer un ou deux medikits, vu que j'en ai un peu, et en plus j'ai plein de trucs, bon bah voilà, hop. Pas d'alien dans le coin, les gens. Ça fait plaisir. Et puis il y a une petite musique douce, genre il peut plus rien m'arriver. Direction Sixton Cinetiax. Oh oui. Oh oui. Chargement. Pululululu. Mais. Retournez voir Taylor. Mais c'était pas comme ça que j'ai laissé la zone. On peut pas m'offrir une sauvegarde. Trouver un autre ascenseur, quoi. J'ai toujours pas de sauvegarde, les gens. Là, le jeu abuse un peu, quand même. J'y crois absolument pas à ce conduit. Ouais, on m'a dit que... Attendez. Je sais pas du tout si ça sert à quelque chose contre l'alien. Il y a un labyrinthe de conduit, c'est pas grave. Une sauvegarde. Il manque un morceau. Il faut que je répare ça. Rien à faire. Ascenseur défaillant. Réparation requise. Sauvegarde. Et ça termine notre épisode. Punaise, il y a des bonhommes là-bas, quoi. Bon, on verra ça la prochaine fois. Ah, donc rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et ben à plus.